Bonjour. Bonjour. Quelles compétences avez-vous développées lors de votre doctorat ? En fait, j'ai fait mon doctorat à l'Institut Pasteur en microbiologie et j'ai également eu la chance de faire tout le parcours de cursus biotechnologie à l'Institut Pasteur également. Donc en formation microbiologie, génie génétique, immunologie, microscopie électronique, beaucoup de choses en fait dans l'environnement du campus de Pasteur. Est-ce que vous avez développé des compétences qui vous servent aujourd'hui en entreprise ? Absolument. Déjà au niveau technique, durant ma thèse, j'ai été formé donc à tout ce qui était manipulation, génie génétique et biologie moléculaire, qui a été pour moi la fondation principale de ce que j'ai pu faire dans mon parcours professionnel ensuite, en entreprise. D'accord. Est-ce que vous auriez des idées pour mieux valoriser le doctorat en France ? Alors aujourd'hui, je suis persuadé que la formation à la recherche par le doctorat est fondamentale pour ceux qui se destinent, notamment dans le domaine de la santé humaine, à une carrière de recherche et développement. Je pense également que c'est l'outil le plus facile à vendre, à monétiser sur le plan reconnaissance diplômante, puisque c'est le PhD est une valeur internationale, ce qui n'est pas le cas des diplômes d'école d'ingénieur, par exemple. D'accord, merci. Merci.